Ils sont 50. Ça privatise le loto, c'est comment? Ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai un jeu de Ah, c'est bon, les gars! Mais en forme, un homme sec, mais en forme. Minutes de course, 5 km, tranquille, juste histoire de relancer la machine. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que j'ai besoin de me déverrouiller le cœur. Je fais des sparring mercredi, donc hier. Je sais pas, je faisais mes rangs normales, mais j'avais, en fait, quand je suis respiré, j'ai l'impression que j'étais kéblo au niveau des poumons. Je sais pas comment ça se fait ça. Et peut-être c'est le stress, j'en sais rien. Je me suis entraîné très très dur, donc je suis prêt physiquement, je le sais. Mais là j'avais besoin de me déverrouiller un peu. On va suer aussi un peu pour perdre le poids qui reste encore. Là il y a un petit spa à côté. Rien de. C'est pas comme en Albanie, c'est pas aussi bien honnêtement. Enfin le spa et la salle de sport. Là c'est assez. Bah c'est très mignon, hein, mais c'est moins bien qu'en Albanie. En Albanie on avait vraiment de l'espace, on avait une piscine. Là je crois qu'il y a que un spa. Il y a un spa et un sauna. Enfin, il y a un sauna et quelques douches et un coin de massage, je crois. Donc voilà, petit footing, on va faire des petits exos, petits shadows, visualisation, puis voilà. Hein. Juste moi, je suis un peu deg parce que là, j'ai tourné mercredi et en fait, il y a un mec qui m'a. J'ai un moment, j'en ai fait une projection et je me suis un peu fait mal au genou. Du coup, là, en courant, j'ai mal au genou, je vais essayer de me masser un peu, faire des petits exos de mobilité. Juste ici, là. Comme sur le lycée, je crois que c'est un ligament externe. Après, c'est rien de grave, mais je le sens. J'aimerais pas que ça pète en combat quoi. Donc je vais en prendre soin, faire un peu de mobilité, le bouger tranquille. Et j'avais mal à la main là il y a 2 semaines, au doigt, j'arrivais pas à boxer fort avec ma main gauche. Finalement là c'est guéri. Donc je sais que si j'en prends soin ça va aller tranquille. Ok mon grand. Vas-y coupe ton bigot là, caméra allumée là. Ok. Bon, les bottes de Nassim, les bottes du poteau, je les ai essayées chez WAM. Pour la simple et bonne raison que j'étais trop impatient et j'ai pas pris ma cam, j'ai pas filmé. Sauf que, mec, j'ai tellement kiffé. Les gars, vraiment, s'il y a un sponsor qui a ce genre de bottes et qui veut m'enfiler l'équipe, on travaille sur un sponsor, une OP. Débranche pas le câble. On bosse sur un sponsoring, une OP, l'équipe, il va niquer le câble. Donc, mon grand, là, t'appuies sur le bouton. Voilà, on s'est allumé. Et là, tu fais play. Attends, mais t'as pas mis les mêmes trucs là. Ah si, c'est bon. Attends, t'as fait pause là, chef. Laisse. C'est toi, t'as fait pause. C'est pas connecté les deux. Si, c'est connecté. Ah ouais? Ouais, c'est connecté, ça. J'ai déjà essayé une fois, moi, ok? C'est très rigolo parce que depuis tout à l'heure, je te branche. Je les ai plusieurs fois chez Dustin. C'est vrai? Ben ouais. Ah mec, putain, ouais, tu sais quoi, c'est vraiment bien. J'avais déjà essayé en Irlande en vrai, mais là, ça faisait très longtemps que j'en avais pas refait et ça m'a fait kiffer, gros. Donc voilà, petit kiff, je voulais voir sa réaction, mais du coup, bah il l'a déjà fait. Donc, pareil, on va laisser en l'air avec son guito quand il va le faire. T'as vu, il y a toutes les terres, différents pays. Finlande. Putain, c'est bon ça. En France, on n'est pas beaucoup. Putain, Israël, ils sont beaucoup. Ils sont 50. Ça privatise de l'hôtel ou c'est comment? Oh, des pâtes. Oh là là, j'aurais déjà joué à la bouche. Je suis accroché. Regarde. De la salive, je te jure, j'ai trop. Ça me donne la confiance. Ah putain, ça se fait des grosses bolos en plus. Imagine, il y a du parmesan et du gruyère. Oh là là là. Tu peux pas aller s'entraîner là à 15h? On a rien fait spécial ce matin, on a mangé là, c'est 16h. On a 30 minutes de marche pour aller à la salle. Donc il y a Lionel qui nous a réservé une salle pour s'entraîner 2 heures par jour jusqu'à l'arrivée de la compète. Donc c'est top, ça va nous occuper, réviser nos drills, nos gammes on va dire. Ça va nous occuper pour cet après-midi. Et puis rassembler un peu le groupe aussi parce qu'il y a beaucoup de groupes, on se connaît pas tous. Ça permet de fédérer un peu l'équipe de foot. Let's go. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, je sais que t'avais pas remarqué. Hey. En plus l'ensemble là, le haut des imaps avec un petit jean. Je peux te dire que t'as plus d'un styliste de la Fashion Week qui dirait que c'est plus Fashion Week. Qui se mettent sur le trottoir les fashion. Ouais,
salle est sympa, la salle. L'espace. Je sais pas comment ils veulent s'organiser. On va s'entraîner tranquille, ça va rien. Il y aura rien de physique, je pense. On va suivre quoi, un peu tranquille. Votre moniteur de sport, professeur. C'était un combat ou c'était quoi? Non, c'était pour le bouquin. Ah bon, pour le bouquin? Ça me casse les couilles, ouais, vas-y, redis là, putain. En gros, je viens d'aller chercher mon accréditation là pour les médias. Attends, je peux pas aller au bord de la cage, mais tu peux être. Je peux tout faire sinon le reste. Là, t'es pas dans les gradins, t'es entre les deux en fait. Ouais, je suis entre les deux. Et t'as un zoom, t'as un zoom, tu bah, peux. Bah, j'ai mon 70 mm, mais je pense pas que je t'aurai vraiment très proche, quoi. On verra de loin, mais. Pour avoir les accréditations, on a dû envoyer des mails, envoyer toutes les informations de Guito sur son entreprise, surtout pour montrer qu'il a une légitimité, qu'il est sérieux et tout ça. Et donc là, on était à l'entraînement. Et Guito a dû partir pour aller récupérer l'accréditation dans un hôtel. Chez moi, vous savez l'équipe que les démarches c'est pas mon délire. Mais bon, on est obligé de parfois se dépasser et faire les choses qu'on aime pas. Mais parce que je voulais vraiment essayer d'avoir des images de la meilleure qualité possible. Mais là, on verra ce que ça va donner. Le plus important moi c'est que je performe et que l'équipe de France performe. Après il aura des images, il sera pas trop lent non plus. Il aura un zoom donc on verra comment on va procéder. Mais voilà, bon, c'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. En tout cas, nous, on sort de l'entraînement. Là, on s'est pas douché encore. On est parti juste en marchant. On est à 30 minutes de marche de la salle. Là, on va aller, je pense, soit au sauna, soit prendre une douche. Et voilà, on s'est bien entraîné. Je suis content. J'ai pas énormément d'énergie, mais je me sens réactif. Donc, c'est cool. Et ouais, l'équipe J-4. On est vendredi soir là. Il reste encore samedi, dimanche, lundi et mardi. On y va. On va le faire, mon gars. On va le faire. On va faire des vidéos banger. On va faire des performances banger. Les gens vont parler de nous dans toute la France. Let's go, pote. T'as dit quoi? Je t'ai prêté, enfin, je t'ai donné ma caméra parce que moi je devais aller à la conférence
Et pour rentrer, tu as mis dans ton sac. Mes frères, ton sac, il sent le rat mort. Gars, quand on s'entraîne vraiment. Du coup, on sue. Et il est vrai que parfois, il arrive que malencontreusement, mon sac imbibe l'odeur de mes protections qui pue la mort. Et d'ailleurs, on était dehors, pour vous dire, on était dehors, mais il y a eu un coup de vent. J'ai fait mon sac comme ça. Il était à 2 mètres. Il a eu une odeur à Roland d'odeur de mes protections. Il a fait putain, mais il pue la mort ton sac, faut le brûler. Il m'a dit, tu vas les donner aux agents de ménage et qui le lave parce que c'est pas possible. Et du coup, il m'a laissé sa cam, j'ai dû la ramener. Et effectivement, les mêmes là, mon pull est dedans. Attends, on va voir. Non, mon pull il pue de base, donc il a pas été imprimé. Il avait pas été imbibé. Encore mieux. Encore mieux. T'es mal, les gars, attends, je vais vous mettre sous la lumière. Vous allez voir comment je suis tout cuss là. T'es marre. Un homme sec. Y a pas grand chose à perdre encore là. Hein. Mais en forme. Un homme sec, mais en forme. Un jour, je vous jure, je veux célébrer un combat comme ça. Laissez-moi 3 jours, je travaille ce pas et je vais célébrer Ozymar comme ça. Ouais, mais non, je me plains juste comme ça, c'est beaucoup moins bien que lui. Moi, je sais combattre, poteau, je sais pas danser, putain. Mais t'inquiète, je vais apprendre. Attends, comment il fait? Je suis jaloux des hip-hoppers. Guito, j'ai une question. C'est comment de vivre, moi? Tu montes pratiquement tout le matin, tout le soir. Ouais. L'après-midi, on filme. Je t'envoie mes rushs que j'ai filmés. Tu vis, moi, juste quand tu dors. Et quoi que, quand tu dors, j'essaie de... Enfin bref, il y a des trucs que je dois pas dire. D'ailleurs, gros, je me demandais, ça sert à quoi, ça? Pourquoi t'as une pipette, là? C'est pour nettoyer la caméra. Ah ouais? Ah, regarde, tout ça, c'est pour nettoyer la caméra. On va manger, là. Regarde, suis la pancarte. Breakfast, 6:30, 10 a.m. En vrai, avec le vrai accent anglais. Breakfast, 6:30, 10 a.m. After 10 a.m, it's fucking closed. So you better come eat before 10 a.m. Otherwise, you will find the belly empty. Non mais voilà, faut travailler l'accent. C'est important pour l'UFC plus tard. Là, on va faire juste un petit repas. En tout cas, j'ai bien perdu. Je commence à faire le poids bien. Je suis 67,15 avec encore un peu de repas. Tiens, on va justement peser là. On va voir. 66,9. Il me reste 1 kilo. Putain, magnifique. On est à J-3, il me reste 1 kilo, c'est super. On est dans les temps, on est dans les cordes, on est incroyable. Après, sachant que là, on s'est entraîné, là, je vais manger un peu, après, il y aura la nuit, je vais perdre. Il va pas falloir que je mange non plus de fou, faut pas que je me fasse trop plaisir, mais je vais pouvoir me faire un petit repas. Donc ça, c'est top. Voilà, c'est tout. Tu veux finir mon gag aussi ou quoi? C'est comment, là? Un par un, chacun des plats je les prends. Là j'ai envie de tout tester, tu vois. Tu sais quand t'arrives dans un nouvel endroit, tu sais, chez quelqu'un ou chez des gens, t'as envie de voir comment ils mangent, si c'est bon. Là j'ai envie de tout essayer, savoir, juger un peu l'hôtel. Ouais, c'est un hôtel 5 étoiles, mais j'ai pas donné mon jugement encore. Si j'ai pas donné mon jugement, c'est que c'est pas encore un hôtel 5 étoiles. J'ai une énorme expérience dans les hôtels 5 étoiles. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans. C'est parce que c'est pas trop là. Je me rappelle pas. Non, mais c'est parce que c'est. 4€ la bouteille, pas cool. J'ai demandé à son chef si on pouvait avoir de l'eau. Son chef lui a dit non. Non, il se démerde. On a de l'eau, ok, bon bah on va payer alors. Non, matin c'est compris. Je crois qu'il faut payer pour aller au shot aussi, je crois. Ok, tout le monde. On est dimanche 31 mars. Putain, y'a Serge. Serge, il a cru qu'on l'avait entubé parce qu'il y a des infos qu'on devait pas divulguer, qui sont normales, et qui sont sorties, qui ont fuité sur d'autres médias. Du coup, Serge, hier soir, il était grave vénère contre nous, mais j'ai pas trop remarqué. Parce qu'il est vénère, mais gentil, Serge. Et ce matin, en fait, il a expliqué que en fait, c'était d'autres gens qui avaient fait fuiter l'info, et c'est pas nous, et du coup, ils s'en voulaient parce qu'ils nous avaient un peu agressé. Moi, j'avais même pas remarqué qu'ils nous avaient agressé. Là, n'est pas le sujet. On va en fait voir la compétition, les youths, donc les très jeunes qui combattent. Donc eux ils combattent ce week-end, donc samedi, dimanche, lundi je crois qu'il y a la remise des médailles, et nous on commence à combattre mardi les seniors, donc les plus de 21 ans. Et donc là voilà, on va faire la balade, on va aller voir déjà où est la salle, à quoi elle ressemble avec les cages, ça va permettre d'apprendre, d'avoir un petit peu l'atmosphère, sentir un petit peu l'atmosphère, mais là ça nous permet de marcher, sortir et voir un peu ce combat. Je
bien. On va voir plus bien l'établissement. On va avoir ses repères pour les Mokumba mardi, c'est cool. Ça ressemble vraiment au championnat du monde qu'on a fait, enfin l'ambiance je veux dire. On repère les mêmes couleurs, les mêmes tenues, la même cage, le même staff. Donc on change pas grand chose, mais on n'est pas tant dépaysé que ça. Là, on a regardé un peu les combats. En fait, là, c'est les youth, donc c'est les moins de 18 ans. Les juniors, c'est les 18-21 et les seniors, c'est les plus de 21. Donc là, il y a les U13, U15 et U17. Donc c'est les 17-18, 15-16, un truc comme ça. Et le 12-13 et 14. Donc voilà, c'est sympa de voir les combats. Là, ils peuvent pas se frapper à la tête. Quand ils sont moins de 18 ans, comme ça, ils se frappent que au corps et après, il y a du grappling et de la lutte. Et donc c'est vachement bien, je pense, pour l'expérience. Quand t'es jeune, comme ça, c'est top. T'as la pression, tu te sens l'atmosphère un peu, donc c'est vraiment cool. Et en plus l'aréna elle est pas mal, hein. Ça peut accueillir pas mal de monde. Il y a trois cages, de celle-ci elle paraît vraiment petite et il y en a deux autres qui sont plus grandes. Donc pour les lutteurs, bah, évidemment la petite c'est favorisant. Et les plus grandes, pour ceux qui gèrent la longue distance, c'est plus adapté. Voilà, équipe, là on a fait ça ce matin, on va retourner à l'hôtel tranquille, manger un peu, très léger et puis entraînement à 15h. Let's go. Rôder le métro en Serbie, c'est fait. Bah, bah. Il rentre en lutte. Bah, bah. Il percute dans sa mère. Il percute dans sa bouche. Oh, il lutte. Bah, bah. Il percute dans sa bouche. Ça, c'est une bonne frappe, ça. Frappe d'Imad. Donc, c'est le coach. Attends, on va se reposer. On va voir combien je pèse. À poète. Ouais, ça, il me reste 1 kilo. Pile 1 kilo. Pile 1 kilo. Sachant que ouais, si je mange léger ce soir, je vais repèdre. 500 grammes. Ouais, faut que je continue de manger léger quand même. Mais au calme, on est bien. Là, j'ai déjà perdu 3 kilos. Oh, calme, plus que 1. Gardez une distance, gardez une gestion de la distance. Pour vous deux là, si vous voulez plus striker, gardez une distance un peu plus longue. Ouais, ouais. Cadre. Franchement, c'est les erreurs, gros, c'est les erreurs. Vous n'aurez pas des gros lutteurs à part peut-être les champions du monde. Là, je sais pas si c'est un lutteur. Ouais, ouais. Non, mais il a un très bon grappling, un très bon scramble. Ouais, le... mais, ça, mais le reste, c'est des Européens. Ça veut dire qu'ils ont le même style que tout le monde en Europe. Ouais. Ça veut dire que ça va être beaucoup striking, un peu de force de lutte. Mais ce sera pas avec un grip de chien comme avec des laisses. Donc, ouais, avec des grosses patates, marquer des points. Ok, ok, frère. Mais je te jure, là, j'ai changé mes positions, enfin, en tout cas, ma stance. Tu sais, je suis moins haut. J'essaie de baisser mes hanches. Enfin, c'est où pour voir mon fight? Il y a quelqu'un qui. Bah, comme d'hab, les IMAF, IMAF TV. Merci, mon frère, ça fait plaisir en tout cas. Ça peut être cool, c'est des bisous, c'est pas cadré. Déjà, j'aimerais tomber une sucrerie là, un petit Kinder Bueno là, un petit Kinder Country là. Voilà. Comme c'est juste un repas, un bon repas. Des bonnes. Une bonne bolo. Genre une bonne boulot là, ou un bon pesto, oh, ça me ferait kiffer. C'est ça qui est dur en fait, faire le poids, et c'est pas faire le poids pour un combat, c'est de faire le poids pour toute la semaine. Là il reste encore une semaine à avoir la dalle tout le temps. Mais c'est pas grave, c'est les lois du game.